L'intelligence artificielle peut-elle être intelligente? Jugez-en par vous-même en écoutant cette conversation entre deux moteurs de traduction, Google et DeepL. Dis-moi Google, as-tu lu le dernier livre de Ghislain Tachereau? Ah non, j'aime pas ça l'humour. Voyons, t'es donc ben snob? Ben non, c'est juste que quand je lis un livre, je veux pas lire des niaiseries, mais de quoi qui me fait réfléchir. Puis tu penses que l'humour, ça fait pas réfléchir? C'est sûrement pas une série de blagues en ligne qui vont me faire réfléchir. C'est justement pas ça les déchirures de l'amour, tu vois? Les déchis quoi? De quoi tu parles? Du dernier livre de Tachereau, Les déchirures de l'amour. Tu vois, juste par le titre, je vois bien que c'est juste des esties de niaiseries. Tabarnak, t'es pleine de préjugés. Tu te bases sur quoi pour affirmer que c'est des niaiseries? Le titre, voyons le titre. Ben pour moi, c'est Le secret qui évoque plus une niaiserie. Tu l'as-tu lu? Oui, contrairement à toi qui n'as pas lu Les déchirures de l'amour. N'empêche que la littérature, c'est sérieux. Alors, Boris vient dans L'écume des jours, quand il parle à une souris qui est dans un verre à dents, c'est sérieux? Tu compares ça à Tachereau? Alors que Tachereau ne fait pas de la littérature. Tu l'as-tu lu? Non, mais je... Tu ne l'as pas lu? Alors tais-toi. Les déchirures de l'amour. Pour lire les trois premiers chapitres de tous les livres de Ghislain, ghislaintachereau.com, édition de l'individu.com.